Donc, on peut commencer. Je m'appelle Ryland Johnson. Je suis le député de Yellowknife North. Aujourd'hui, le comité fait une révision du projet de loi 63, la loi modifiant les, sur les langues officielles. Avant de débuter, nous allons faire une présentation du projet de loi. Ensuite, on va prendre des questions du ministre et je vais demander au comité, je sais que nous avons de l'interprétation simultanée. Et il y a beaucoup de questions, mais tentez de vous assurer que vos questions soient courtes parce que nous avons nombre de présentations et nous devons terminer à 14h30. Notre interprète est disponible seulement jusqu'à 14h30 et puis ensuite, nous devons passer au prochain projet de loi. Donc, en ce moment, nous voyons un nombre de gens ici qui nous proviennent du Collège nordique. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui voudrait s'exprimer? Merci. Est-ce que je pourrais avoir votre nom, s'il vous plaît? Inaudible pour l'interprète. Merci. Bonjour, Rose. Donc, je vais commencer par faire présenter le projet de loi. Donc, on veut adresser les problèmes de colonisation dans les territoires du Nord-Ouest et nous voulons faire des modifications au projet de loi sur les langues officielles. Nous allons le projet de loi apporte des modifications dans les quatre domaines afin d'améliorer la clarté et de renforcer le rôle du commissaire. Nous voulons imposer des délais de réponse formulés par le commissaire, donner au commissaire le pouvoir de recommander les mesures qui doivent être prises pour répondre aux préoccupations, permettre au commissaire de renvoyer des questions à mode alternatif. Le comité des langues officielles doit tenir des réunions publiques en juin 2022 et en janvier 2022. Donc, cette rencontre est une rencontre hybride. Certains participants sont en Zoom, d'autres sont ici devant nous. Nous sommes aussi sur les médias sociaux. Ils sont disponibles en Quechua, en français et en anglais. Actuellement, je vais demander aux membres du comité de se présenter. Merci, M. le Président. My name is Kevin O'Reilly. I am MP for the Aquam Riding. Bonjour, je suis député de Firm Lake. Merci. Bonjour, je suis député de Tim Lee-Willady, Rocky Simpson, député de Hell River South, Cleveland, Emily. Bonjour. Est-ce qu'il y a des membres et députés qui se joignent à nous virtuellement? Je ne crois pas. Donc, maintenant, je laisse la parole au ministre pour faire la question de départ. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'inviter ici. Merci de m'inviter pour parler du projet de loi modifiant sur les langues officielles aujourd'hui. J'ai des témoins avec moi, John McDonald, le sous-ministre de la Culture et de l'Emploi, Shannon Barney, sous-ministre de la Culture, Buena Coulton, directeur exécutif des affaires francophones, Sean Coleman, directeur du secrétariat aux langues officielles, Laura Jeffrey, de la division législative du ministère de la Justice. La loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest vise à reconnaître et à préserver et améliorer l'utilisation des langues autochtones dans les territoires du Nord-Ouest, parallèlement aux autres langues officielles du Canada. Pour ce faire, la loi désigne le Chipewyan, le Cri, l'anglais, le français, le Quechan, le Nuktituk, le Nuvelluktuk, l'esclave du Nord, l'esclave du Sud, le Ticho comme langue officielle des territoires du Nord-Ouest. Le projet de loi exige qu'un examen soit effectué tous les 5 ans. Par conséquent, en 2020, le comité permanent des opérations gouvernementales a entrepris un examen. Et en raison des événements imprévus liés à la COVID-19, le travail sur cet examen a été retardé pour laisser suffisamment le temps pour la participation du public. Dans ce cadre, le comité a
étudier les rapports annuels de 2017-2018, le commissaire de la langue officielle, et celui-ci a tenu des réunions publiques en juin 2022 afin de renforcer le rôle du commissaire. Et nous voulons aussi mettre en emphase sur la protection des langages. Bon. Et nous voulons continuer à souligner l'importance des articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Autochtones. Les modifications importantes sont incluses dans le projet de loi suivante. Nous voulons clarifier et renforcer le rôle du Comité en langues officielles. Cela conclut mon allocution d'ouverture et je serai très heureux de répondre aux questions si vous en avez. Merci. Merci au ministre. Question de la part du comité. Je vais débuter. Monsieur le ministre, le comité a recommandé que nous utilisions, que nous arrêtions d'utiliser les termes esclaves du Nord, esclaves du Sud. J'aimerais savoir si le député pourrait nous dire pourquoi ces termes sont toujours utilisés actuellement. Merci. Vous savez, trouver un nom pour une langue, pour désigner une langue, ce n'est pas simple. Nous devons travailler avec les gens qui parlent cette langue. Ce n'est pas à nous de dicter quel est le nom pour cette langue officielle. Merci. Merci, ministre. Puis-je clarifier si il y a un travail qui est fait actuellement et à quelle vitesse allons-nous pouvoir avoir une entente? Il y a du travail qui a été fait. Le travail a été fait en amont, mais je crois qu'il y a un travail qui est fait aussi actuellement. Je pourrais aussi demander au sous-ministre de s'exprimer à ce sujet. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Le ministre a raison. Nous voulons, en faisant avancer cette initiative législative, ce projet de loi, nous avons rencontré les communautés linguistiques. Nous avons posé des questions pour la terminologie. Il n'y a pas encore d'unanimité quant au changement de nom. Et actuellement, nous attendons un rapport de comité et nous allons continuer à travailler avec les communautés linguistiques pour trouver un autre nom. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Député de Lake Cleveland. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais bien entendre le ministre à propos de peut-être la portée de cela. Et l'une des choses que l'on entend souvent, avons eu l'opportunité de parler avec les communautés à propos de leurs langues officielles. Et bon, est-ce que le projet de loi va être adopté ou non? Mais il faut aussi voir quel sera l'avenir des langues. Y aura-t-il des changements, par exemple? Bon, le projet de loi ne parle pas de protection proactive, particulièrement lorsqu'on parle ici de langues autochtones ou la revitalisation des langues autochtones dans les territoires du Nord-Ouest. Et je me demandais, je demandais au ministre, qu'est-ce qui va être fait en termes de modernisation? Parce que nous risquons actuellement de perdre des langues au sein du territoire. Et c'est vraiment la réalité du territoire actuellement. Merci. Monsieur le ministre, merci. Bon, c'est un projet de loi qui a une portée limitée parce que le comité n'a pas terminé sa révision. Nous ne pensons pas qu'il y aura de grands changements. Voilà des petits changements que l'on pourrait faire au sein de cette Assemblée avec le temps qui nous est accordé. Mais les plus grandes décisions, lorsqu'on parle par exemple de non, pour qu'on puisse changer la direction au sein du territoire du Nord-Ouest, alors cela fait partie d'un processus beaucoup plus large. Je vais m'arrêter ici. Je suis prêt à répondre à d'autres questions. Merci. Merci. Y a-t-il une question en supplémentaire? Oui, merci, M. le Président. Je comprends qu'il y a une période de temps qui est limitée, nous n'avons pas le contrôle sur les priorités de la 20e Assemblée. Mais quant aux langues officielles, il y a des exemples de programmes par exemple, il y a d'autres juridictions qui sont beaucoup plus proactifs, par exemple au Nunavut. Ils ont fait des réformes à leurs langues officielles et ils ont aussi ajouté
le projet de loi sur la préservation de la langue inuit. Il y a des exemples qui existent ailleurs. Les langues peuvent être... ce travail peut être fait de la part des communautés. Nous avons, il y a par exemple des cours qui peuvent être donnés. Et on peut aussi s'assurer que les langues soient visibles, qu'elles soient utilisées. Nous devons voir comment nous pouvons utiliser les langues ou les protéger et encourager leur utilisation. Nous pouvons aussi avoir des mesures ciblées. Et parfois, cela peut être fait au sein des écoles, mais ce n'est pas fait vraiment au sein de nos communautés. Donc, nous devons vraiment travailler sur un autre projet de loi qui pourrait vraiment souligner le rôle actif pour la protection linguistique et la revitalisation de ces langues. Merci. Monsieur le ministre, merci. Bon, comme la députée a mentionné, il y a d'autres... d'autres amendements qui pourraient être faits au projet de loi. Bon, mais je crois que la référence qu'elle fait aussi est sur un projet de loi qui est tout à fait différent. Bon, beaucoup d'efforts de revitalisation sont orientés vraiment sur des programmes et ça n'apparaît pas nécessairement dans un projet de loi. J'ai vraiment hâte de travailler là-dessus à la prochaine assemblée, lors de la 20e assemblée avec le comité plénier, qu'elle en fasse une révision. Je crois que nous pourrons avoir des discussions, mais jusqu'à actuellement, nous n'avons pas de mesures pour adopter une législation supplémentaire. Merci. Bon, je voudrais aussi souligner que nous voulons faire un dépôt de ce projet de loi lors de notre prochaine séance. Donc, nous voulons vraiment travailler sur les recommandations qui seront émises. Maintenant, je vais passer la parole au député O'Reilly. Merci, Monsieur le Président. Oui, je suis d'accord avec le Président. Il est temps de changer le nom de ces langues. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de changement plus grands qui ont été faits. Mais j'ai tout de même une question pour le ministre. Par exemple, l'un des dépôts qui a été fait, on pourra en parler plus tard, mais les deux commissaires linguistiques qui existent actuellement pourraient être fusionnés et il devrait y avoir plus de transparence à propos de ce qu'ils font ou faire la promotion du travail qu'ils font. Est-ce que le ministre peut promettre qu'il y aura quelques corrections ou alors un appui envers le commissaire aux langues pour lui donner un plus grand rôle quant à ses communications, que le tout soit beaucoup plus ouvert pour le public? Peut-être qu'il pourrait aussi avoir un rapport annuel qui pourrait être déposé en chambre. J'aimerais que le ministre puisse faire avancer cela dans le but de travailler sur la revitalisation des efforts des langues officielles. Merci. Inaudible pour l'interprète. Merci. Bon, quant au premier commentaire, nous devons aller voir les communautés linguistiques directement. Ils doivent nous dire quels sont les noms qu'ils veulent. Et actuellement, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Et je ne peux dire à une communauté linguistique comment ils devront appeler leur langue. Nous devons voir aussi la différence entre une langue et un dialecte. Il y a beaucoup de choses qui se passent et nous n'avons pas eu le temps de faire tout ce travail. Ce n'est pas le genre de travail que nous devons faire lentement, plutôt rapidement, nous devons le faire lentement. C'est ici l'enjeu. Bon, en termes de rapport, il y a un rapport annuel. Bon, dans le but, il y a toujours des moyens d'améliorer ce rapport. Voilà ici un comité conseil. Il y a toujours des propositions qui peuvent être faites au ministre. Et je serais très heureux d'avoir des discussions avec le ministère pour voir ce que nous pourrons faire pour pouvoir nous assurer que le rapport soit diffusé à un public plus large. Merci.
Avez-vous des questions, M. O'Reilly? Non. Bon. Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Merci, Monsieur le Président. Je reconnais les remarques du ministre. Nous devons la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest a pour but de faire la promotion des langues ainsi que des langues officielles du Canada. Bon, le projet de loi sur les langues autochtones a pour but d'accentuer la revitalisation des langues autochtones au Canada. Et ce projet de loi avait été adopté en juin 2020. En 2019, on en avait déjà parlé. Et je sais que nous avons des gens au territoire du Nord-Ouest qui... il y a des gens encore qui nous disent qu'il y a encore beaucoup plus de travail qui peut être fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent ces langues, qui sont des personnes âgées. Donc, mais comment pouvons-nous revitaliser ces langues? Comment pouvons-nous nous assurer que ces langues ne se perdent pas? Voilà ici le cœur de la question et j'espère que le ministre peut répondre à cela. Et cela doit être vraiment au cœur de la législation. Et nous devons nous assurer que nous puissions faire le plus possible. Réponse du ministre. Merci. Comme j'ai déjà dit, nous faisons des changements mineurs au sein de la législation. L'addition d'une autre langue est une grande décision. Parce que cela aussi a un impact. Vous savez, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest accorde des fonds pour lorsqu'il y a une langue qui est une langue officielle. Donc, nous devons être capables de travailler avec les gens, les gouvernements autochtones. Nous devons être capables de voir, nous devons être capables d'évaluer le nombre de gens qui parlent cette langue. Peut-être parfois, il y a une douzaine ou à peine 10 personnes. Il y a aussi d'autres estimés. Donc, nous devons être capables de voir quels sont les rapports du comité. Et j'ai très hâte de voir ce que le comité pourra nous dire et comment nous pourrons revitaliser les langues au sein des communautés. Merci. Monsieur le Président. Oui, c'est inquiétant. Parfois, il y a seulement 10 personnes. Cela est très inquiétant. Vous savez, il y a une chance qu'une langue puisse se perdre. Donc, il est plus important que jamais que nous puissions faire quelque chose pour préserver ces langues, pour que les générations du futur puissent plus en bénéficier. Et cela doit faire partie des discussions au sein du comité. Est-ce que mon gérant de lire le rapport, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Merci, M. le Président. J'ai seulement quelques commentaires à émettre. Bon, tout comme mes collègues, ma circonscription et il y a du travail qui est fait au sein de Kitcho. Donc, il y a qu'est-ce qui se passe dans les communautés, nous devons les écouter. Nous devons être capables de parler de l'enjeu des langues. Je sais qu'on n'a pas mentionné cela ici, mais je ne sais pas si le ministre a eu des discussions avec les Premières Nations à propos de ce projet de loi. Pour moi, c'est vraiment un enjeu que nous devons examiner. Merci.
Monsieur le ministre, oui, je suis tout à fait au courant de ces enjeux. C'est partout dans le territoire. Il y a un débat sur la définition d'une langue ou d'un dialecte. Ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui peut prendre des années. En termes de discussion, il y a eu des discussions au fil du temps. À propos, par exemple, des langues de Wilde, j'ai demandé au sous-ministre de commenter à ce sujet et peut-être qu'il pourra demander à son personnel, sous-ministre plutôt. Quant à la proposition, en mai dernier, la nation de Kecheche a fait partie des discussions. Ils ont répondu à notre proposition. À part cela, il n'y a pas eu récemment de discussion quant à la reclassification ou changer la classification de Wilde. Et il n'y a pas de discussion pour l'ajouter comme une langue officielle au sein de ce projet de loi. Mais nous avons des discussions constantes avec le ministère de l'Éducation, le secrétaire, son équipe, nos partenaires au sein des communautés, tous ceux qui reçoivent des fonds du ministère de l'Éducation pour pouvoir soutenir les programmes linguistiques et la revitalisation de ces langues au sein des communautés. Donc, il y a des contacts. Je veux mettre l'emphase là-dessus. Bon, seulement dans une période d'engagement, nous avons eu cette discussion. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Y a-t-il d'autres questions? M. le Président, les discussions ont déjà lieu. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, bon, je crois que la communauté a fait des recommandations, par exemple, quant au changement de nom esclave, il y a des gens qui veulent qu'une langue soit nommée un mot, ou un autre. Donc, nous devons être capables de réconcilier les divisions. Merci. Y a-t-il des questions de la part du comité? Merci, Monsieur le Président. Je veux reconnaître que les changements proposés dans le projet de loi touchent le commissaire aux langues officielles. Et lorsqu'on regarde la liste des langues qui est disponible en ligne, cela montre qu'il y a trois membres qui sont actifs sur un potentiel de 22 membres. Et je me demandais si le ministère voyait le potentiel pour accentuer la participation au sein du commissaire. Et peut-être qu'il y a des changements qui pourraient être faits pour pouvoir accroître la participation. Merci. Merci, ministre. Donc, le site web n'a pas été mis à jour. La plupart des postes ont été comblés. Je n'ai pas des chiffres exacts ici. Cela a été fait tard l'an dernier. Bon, quant à la fusion des deux commissaires, c'est une recommandation du comité plénier qui avait été faite. Si je comprends bien, actuellement, il y a des membres qui font partie des deux comités. Ils se rencontrent toujours comme un seul groupe. Ils n'ont pas deux rencontres différentes. Et au niveau administratif, ça l'améliorerait le fonctionnement
du commissaire. Merci. Est-il possible pour le ministre d'envoyer la liste des membres du comité pour que l'on puisse faire une mise à jour au registre public? De plus, je vois que le rôle du conseil, c'est vraiment d'émettre des recommandations au ministre. Et comment peut-on aussi faire une révision des programmes existants ainsi que des services? Parce qu'il n'y a pas de transparence actuellement et nous devons nous assurer que le tout soit disponible au public. Et le comité plénier devrait être capable d'émettre des recommandations et les députés pourraient aussi faire avancer les dossiers pour accentuer le soutien des langues officielles dans les territoires du Nord-Ouest. Merci. Merci. Réponse du ministre. Merci. Bon, c'est un conseil pour offrir des conseils au ministre. Les recommandations sont confidentielles. Nous pouvons inclure des informations additionnelles dans le rapport annuel. Il y a des mécanismes pour y arriver. Et je vais m'assurer qu'il y ait plus de renseignements disponibles dans le rapport annuel. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Bon, Monsieur le ministre, de la part du comité, je sais que ce n'est pas de grands changements, mais c'est quand même des premiers changements qu'on va voir en 2023. Je vous remercie pour votre coopération et nous avons hâte d'avoir d'autres discussions à propos de la loi modifiant les langues officielles. Oui, je suis très intéressé par ce dossier. Merci. Donc, sur ce, nous allons maintenant passer aux présentations de la part du public. Donc, nous avons ici notre premier intervenant. Vous vous asseyez ici. Bon, si vous allez présenter en français, j'aimerais que vous puissiez venir à la table parce que c'est le seul moyen de vous entendre. Allez-vous présenter en français? Bon, peut-être que nous pourrions demander aux députés de venir d'un côté de la table pour qu'ils puissent s'asseoir. Bon, nous n'avons pas encore tous les outils nécessaires pour bien faire fonctionner le tout. C'est un grand cercle, alors joignez-vous à nous. Et tous ceux qui comprennent le français viennent d'un côté et les autres de l'autre. Si vous êtes sur l'appel Zoom, vous devriez être capable de faire votre changement de langue. Il y a le canal français, il y a le canal Clicho. Donc, je vais continuer. Je vous remercie d'être ici parmi nous. Donc, j'aimerais vraiment présenter tout le monde qui se trouve à cette table. Bonjour, je m'appelle Angélique Rosindala-Mouniga. My name is Angélique Rosindala. Je suis la présidente du conseil d'administration. I am the chair of board of directors of the Collège Nordique Francophone. Je vous présente Audrey Fournier, qui est la directrice générale de la Fédération francophone. Monsieur Patrick Arsenault, qui est le directeur général du Collège Nordique Francophone. Et Rosie Benning, qui est la gestionnaire de l'École des langues du Collège Nordique Manager of Language School. Alors, monsieur, je veux d'abord vous saluer. Merci beaucoup de nous avoir
invité à présenter aujourd'hui. So thank you for, bonjour, Monsieur le Président du Comité, Mesdames Speaker, les membres du Comité, Monsieur les membres du Comité. Donc, je vous remercie d'avoir invité le Collège nordique francophone à venir donner son point de vue sur le projet de loi 63 modifiant la loi sur les langues officielles. Donc, la présentation étant sur les langues officielles, nous vous adressons la parole en français. We will be happy to take questions in English following our brief presentation. Le Collège nordique francophone a été créé il y a plus de 10 ans et offre aujourd'hui la formation professionnelle et des cours de langue en français, anglais, espagnol et klitschon. Et nous sommes présentement en train d'outiller la communauté Wilidé pour qu'ils puissent eux-mêmes enseigner leur langue. Si nous avons l'éducation postsecondaire en français dans l'âme, nous avons l'enseignement des langues et le rayonnement des 11 langues officielles dans nos cœurs. Par ailleurs, j'aimerais souligner la présence de Rosie Benning, comme je l'ai fait tout à l'heure, qui pilote avec doigté les relations communautaires nécessaires pour bâtir la confiance nécessaire pour rapprocher les communautés linguistiques. Et nous sommes fiers que les Ténoises et les Ténois viennent au Collège nordique en grand nombre pour la joie d'apprendre et de mieux comprendre les uns les autres. Et nous croyons fermement qu'en faisant cela, nous participons à la revitalisation des langues autochtones d'une manière qui maximise les ressources et les compétences que nous avons en enseignement et dans le plus grand respect des protocoles qui assure des relations durables et respectueuses entre les communautés linguistiques. Vous l'aurez compris, les langues sont donc au cœur de notre travail et de nos vies et de la définition de qui nous sommes. Elles enrichissent les territoires du Nord-Ouest, tout comme elles enrichissent notre travail. Pour nous, elles ne sont pas en compétition les unes avec les autres. Elles existent dans un contexte en constante évolution. Cette évolution et la modernisation de cette loi doivent créer un environnement où chaque langue est respectée et protégée afin qu'elle puisse rayonner. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à notre direction générale pour la suite. Donc, le Collège nordique francophone est en pleine transformation. Nous sommes sur le point de devenir un collège accrédité suivant la nouvelle loi sur l'éducation postsecondaire élaborée par votre gouvernement. Pour nous, comme un établissement d'enseignement francophone, le français est très important et je suis sûr que vous vous en doutez, surtout lorsqu'on vit dans une communauté où on est en situation minoritaire. Le multilinguisme l'est aussi en raison de notre école de langue, mais aussi de notre environnement. Dans les changements proposés à la loi sur les langues officielles, nous aimerions d'abord aborder deux éléments principaux, soit le commissaire aux langues officielles et la fusion du Conseil des langues officielles et le Conseil de revitalisation des langues autochtones. Donc, à propos du commissaire aux langues officielles, nous sommes heureux que le gouvernement ait entendu ce que mes commissaires aux langues officielles partout au pays avaient recommandé auparavant, c'est-à-dire de donner plus de pouvoir au commissariat aux langues officielles. Le rôle du commissaire est important et n'est efficace que s'il a les coudées franches pour agir. Ainsi, qu'il ne fasse pas partie de la fonction publique renforce à notre avis son indépendance, qui est cruciale pour accomplir pleinement son mandat. Nous saluons particulièrement les changements apportés pour qu'il puisse imposer une limite de temps aux institutions pour répondre à ses demandes et qu'il puisse, de sa propre initiative, s'adresser à la Cour si une institution ne se conforme pas à la loi. Cela renforce de façon très concrète ses pouvoirs et la loi en tant que telle. Des rapports annuels plus détaillés permettront à la population ténoise de connaître les ministères et agences qui ont reçu des plaintes et les progressions des recommandations du commissaire. Nous croyons que cela donnera plus de transparence au processus. Ces rapports sont des outils importants pour la communauté francophone, mais aussi pour les fonctionnaires et les députés. Donc, à propos de la fusion des conseils des langues officielles et du conseil de la revitalisation des langues autochtones, vous proposez dans le projet de loi 63 de fusionner le conseil des langues officielles et le conseil de revitalisation des langues autochtones pour devenir le conseil des langues officielles. Cette fusion nous apparaît bénéfique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme les mandats et la composition des deux organismes se chevauchaient, nous croyons que la fusion amènera une meilleure gestion et surveillance du respect des 11 langues officielles des territoires. Elle fera en sorte que les recommandations de ce nouvel organisme seront plus concertées. Nous croyons par contre que le gouvernement pourrait aller plus loin en élaborant des lignes directrices et en exigeant plus de transparence dans le travail du Conseil, notamment en publiant certains documents issus de leur rencontre pour que le public connaisse davantage le travail du Conseil. À propos de la protection du français, en tant que francophone vivant en milieu minoritaire, nous savons combien il est important de protéger la langue,
d'avoir des mécanismes en place pour la promouvoir et des institutions pour s'assurer que la vitalité de la communauté francophone perdure. Les données du recensement de 2021 rendues publiques l'été dernier révèlent que le français est en diminution dans la majorité des provinces et territoires. Les franco-ténois ont perdu un peu de poids démographique entre le recensement de 2016 et celui de 2021. De plus, selon le plus récent sondage sur la satisfaction de la communauté francophone relativement aux communications et aux services en français du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, 2021-2022, la proportion des services directs fournis en français en 2021-2022 a reculé, passant de 84,7% à 65,2%. C'est une diminution de presque 20% de la prestation des services directs en français. Il nous apparaît très important, voire urgent, d'augmenter l'accessibilité des services et d'améliorer l'offre active. L'offre active et l'accès à des services en français font partie intégrante de la loi sur les langues officielles et même si cela ne fait pas partie des modifications actuelles, il nous apparaît important de le souligner auprès de vous. Nous prenons l'occasion pour vous rappeler que le Collège nordique est un fournisseur au GTNO en matière d'enseignement, d'apprentissage et en évaluation des compétences linguistiques. Ensemble, nous pouvons aider à bâtir une main-d'œuvre qualifiée qui peut répondre aux besoins des franco-ténois et franco-ténoises. La force des territoires du Nord-Ouest est la diversité de nos communautés et notre désir ardent de se définir selon nos propres termes et de faire les choses d'une manière qui reflète les réalités propres à nous. Si parfois certains nous diront que la protection et la promotion de la langue française se font au détriment des autres langues minoritaires du territoire, nous vous invitons à venir nous voir au collège pour témoigner du contraire ou d'avoir une discussion avec moi ou ma collègue Rosie Benning, qui joue un rôle très actif dans la réutilisation des langues autochtones au Collège nordique. Renforcer la loi sur les langues officielles est la bonne chose à faire et nous vous remercions de donner une place importante à cet enjeu dans votre programme législatif. Voilà l'essentiel de ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, nous vous remercions de l'invitation et sommes prêts à répondre à vos questions en français ou en anglais, si vous en avez. Bonjour tout le monde. Je me présente encore, je suis Audrey Fournier, directrice générale de la Fédération franco-ténoise. Merci aux communautés déjà de nous permettre, puis de permettre aux membres du public de faire part de leurs préoccupations quant au projet de loi modifiant la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Je vais être assez brève aujourd'hui parce que nous prévoyons déposer des commentaires détaillés par écrit d'ici le 25 janvier. Mais de façon générale, je dirais que nous sommes assez satisfaits des propositions d'amendements telles qu'elles ont été formulées, surtout en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs de la commissaire aux langues. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées potentielles dans ces amendements-là. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre mémoire déposée lors des consultations publiques, on espère voir d'autres propositions de changement qui viennent favoriser l'épanouissement des communautés de langues officielles et l'égalité réelle pour celles-ci. Nous aimerions voir des obligations pour l'État de rendre des comptes selon des indicateurs mesurables et vérifiables quant à la mise en œuvre de la loi. On voudrait voir un bilan linguistique annuel, par exemple, avec des données statistiques sur l'avancement des travaux. On aimerait voir des mesures pour assurer que le gouvernement mette réellement en œuvre la loi et puisse dégager les fonds nécessaires. Pour le moment, le ministère de l'Éducation n'a pas de pouvoir sur le reste de l'appareil gouvernemental et malgré le bon vouloir, la mise en œuvre de la loi peut stagner. Nous aimerions voir des obligations pour le gouvernement de mettre en place des mesures positives aussi, encourageant la vitalité des communautés de langues officielles. Je termine en mentionnant que nous avons certaines questions sur l'impact potentiel des modifications proposées sur la communauté franco-ténoise et que nous sommes en train d'aller chercher des réponses auprès d'experts. Par contre, les délais impartis sont très serrés, donc on trouve la situation un peu difficile, puis on espère ne pas être obligé de mettre des préoccupations de côté pour rentrer dans le délai imparti. Ceci étant dit, nous allons vous faire part de nos préoccupations détaillées par écrit d'ici le 25 janvier. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre présentation d'aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole. Donc, parlez lentement, s'il vous plaît. Notre interprète a fait un bon travail. Notre
Notre interprète a fait un bon travail. Par contre, il y a aussi un interprète Klitschko qui doit se fier sur l'interprète francophone. Donc, je vais maintenant laisser la parole au comité pour qu'ils puissent poser leurs questions. Ah, merci, Monsieur le Président, puis merci au Collège de venir nous parler aujourd'hui. I want to go straight to active offer, which was identified in the presentation. J'ai une offre active. Et voilà une des composantes clés du collège. J'aimerais en apprendre beaucoup plus à propos de la façon dont le présentateur voit cela. Comment pouvons-nous mieux travailler ensemble sur l'avant-plan? Par exemple, lorsqu'on parle de la santé, de l'éducation, voulez-vous avoir, par exemple, plus de locuteurs qui travaillent en première ligne? Ou, par exemple, il y a seulement les services, par exemple, qui sont offerts seulement en anglais. Mais ce n'est pas tout le monde. Tout le monde peut parler, par exemple, anglais, mais pas nécessairement. Donc, votre question, par exemple, est-ce qu'il est par rapport au cadre, le temps? Et quel est ultimement le but par rapport à la première ligne? Je sais qu'il y a deux organisations qui sont ici, mais peu importe qui veut prendre la parole, alors je vous prie de lever la main. Oh. Ça va. Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement qu'une réponse, qu'une façon de faire, en fait. Ultimement, avoir des services en direct avec plus de personnel bilingue, je pense que c'est ce que la communauté désire. Mais c'est ça, on est aussi conscient qu'il y a plusieurs obstacles, qu'il y a des enjeux à la mise en œuvre de ça. Puis on pense aussi qu'il y a différentes façons pour répondre aux besoins en attendant d'atteindre ce stade-là de qualité, disons. Donc, oui, certainement plus de recrutement bilingue, de la désignation de postes bilingues, mais aussi de la planification parce que pour l'instant, il existe déjà beaucoup de personnes qui ont la capacité de parler en français au gouvernement, mais ils ne sont pas toujours mises à profit, disons, si je vais du côté de la santé, par exemple, les patients qui aimeraient être servis en français ne vont pas nécessairement être jumelés aux prestataires de services qui parlent français. Donc, la personne qui parle français, le professionnel de la santé qui parle français peut passer sa journée à donner des services en anglais, tandis qu'il va avoir deux patients qui vont venir pour demander des services en français. Mais vu qu'il n'y a pas eu la planification derrière, on n'est pas capable de répondre aux besoins. Donc, c'est oui du recrutement, mais aussi beaucoup plus de planification stratégique en amont. Merci. Nous sommes dans une situation qui est assez unique. Nous avons une grande diversité des langues au sein du territoire, par exemple. À Hay River, à Yellowknife, vous aurez plus de locuteurs francophones. Mais à Sagatchek ou à Wati, peut-être que vous n'en avez pas autant. Et peut-être que quelqu'un voudrait obtenir des services dans les langues autochtones. Donc, ma question est la suivante. Est-il raisonnable d'avoir une offre plutôt régionale qui reflète les langues qui sont en demande dans certaines régions? Ou alors, est-ce que le collège est capable de répondre aux besoins de toutes les richesses des langues qui existent partout dans notre territoire? euh,
Certainement, je veux dire, idéalement, l'offre active serait faite dans toutes les langues qui peuvent. Puis je pense que c'est déjà ce que le gouvernement essaie de faire là, quand on parle d'offre active. Moi, ce que j'entends, c'est oui, ils encouragent le personnel à faire l'offre active en français, mais si vous parlez une autre langue, puis si vous êtes à l'aise, faites l'offre active dans votre langue, parce que vous pouvez aider des locuteurs qui en ont besoin. Puis oui, je veux dire, certainement, je pense que le besoin pour le français dans des petites communautés est certainement moindre. Ça ferait beaucoup de sens de faire de l'offre active dans la langue qui est plus pratiquée là-bas. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je n'en vois pas. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Donc, le projet de loi sera amené à l'Assemblée. Mais il nous reste encore du temps pour avoir des discussions. Merci. Maintenant, je vais céder la parole pour une prochaine présentation. Donc, maintenant, oui, je vous laisse la parole. Je veux faire ça dans ma langue. Merci. My name is Mary Rose Black Duck. I grew up in Bechakon. When I first started speaking in my language, I was just a little girl. Today, we always refer to papers, and I came without any documentation as to what I'm going to say, because it's all in my mind and my head. The government know how many languages there are. They talk about revitalization of the languages. And we are told our languages are decreasing. And they tell us that even our family members are losing their language. We have 11 official languages in the NWT, and they want to help us to revitalize our language. And also, there are two boards for the language board, and they are going to merge into one. And that is what has been said. And if they did that, is that going to help increase our language use in the community? And also, we want our languages to be strong. And you also mentioned revitalization board, and we have members. We have members from all the communities. I believe there's 23 communities. Are they helping people to increase their language? Is the board working to revitalize our language? The two boards, even if they merge into one, is that going to help us in the communities to increase our language use? We would like to know how that is going to happen. We would like to know what their jobs are as board members. They must have a lot of documentation that they have, what they have done in the past, whether this can be available to the public. When we walk around in the communities,
We see a lot of people that is in a poor state, even the elders. They can't communicate with their grandchildren because they don't understand each other. So how are we to increase and revitalize our language? They should have all that available to the public so we can see it, so we can help them to revitalize the language as well. The government of the Northwest Territories, what are they doing to help the people? I'm thinking of all these issues. They say our languages are dying. For me, I don't believe them. I'm believing that they're lying to us. Our language is sleeping for a little while, but one day it will awaken. And these two boards that are there, we should, the people that are around this table who is interested in languages should sit on these boards to help to revitalize the language. I want more information on that. Merci. Thank you very much, Mary Rose. Merci. Perfect, thank you. Super, merci. Also, through our report table and the legislation, we'll get you answers to your questions. Nous allons tenter d'obtenir des réponses à vos questions. Il nous dit pour l'interprète. Je parle ici des langues officielles qu'ils ont reconnues. D'accord. Des langues officielles qui sont reconnues dans le territoire du Nord-Ouest. Une fois que les deux sont fusionnés, alors quel sera l'impact au sein des communautés? Thank you. Yeah, and we in our report. I mean, if I want to do that, I can do that. In our report, we will make sure, and we've got. Nous allons nous assurer dans notre rapport que que l'on puisse avoir plus d'informations. Et je crois qu'actuellement, la première étape, c'est d'obtenir plus de transparence et nous assurer qu'il y ait oui, nous voulons. Je crois que c'est la première étape. Donc maintenant, je vais laisser la parole pour des questions. Je n'entends pas de questions. Y a-t-il des derniers commentaires? L'une des recommandations que j'aimerais que vous puissiez prendre en compte. Qu'en est-il des centres linguistiques qui pourraient être faits au sein des communautés? Ça pourrait être des vidéos. Ça pourrait être tout ce qui pourrait être documenté dans ces langues. Tout ce qui pourrait être utilisé. Ça pourrait être des ressources communautaires. Je sais que nous sommes en mode de préservation. Voici l'étape que nous devons suivre maintenant. Nous devons préserver ce qui a déjà été enregistré. Ceux qui ont été interviewés, vous savez, ceux qui sont morts, ils ne reviendront pas. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de préserver. Comme un peu tout dans la vie, il y a des changements. Avec la langue, c'est la même chose. Une langue qui a été parlée par mes grands-parents n'est plus utilisée.
coaching song. And it has to be documented and preserved so that hopefully maybe somebody that's passionate enough, let's say 100 years from now. Donc, imaginez dans 100 ans. Vous savez, il y a une revitalisation qui va être faite un jour. Ça s'est passé dans d'autres pays avec d'autres langues. Les langues ont une drôle d'histoire. Donc, il y a des ressources centrales dans les communautés et je crois que si nous pouvions accentuer les ressources, ça serait merveilleux. Merci. Oui, nous avons entendu que nous devons. Oui, il y a, nous avons besoin d'enseignants, de gens. Il y a des livres, par exemple, qui doivent être traduits. Language Resource Center, you know that, right? Okay. Because languageness. Parce que vous savez, you go to preschools. Quand on dit que vous allez à l'école, vous allez à la prématernelle ou sans la petite enfance, et vous devez avoir, vous avez besoin de locuteurs pour pouvoir enseigner aux enfants. Donc vous avez aussi besoin de ressources pour cela. Language resource centers, which is different. Anybody that's working in languages, tout le monde qui travaille dans les langues ou qui travaille. Is the umbrella name of. Vous savez, nous avons. That I am familiar with. But there's also another sub-languages under Klingon. Il y a des langues, il y a aussi des langues qui sont sous celle-ci. Et parfois, il y a des termes qui sont un peu différents d'une à l'autre. Même chose avec Willadé. Il y a une fusion de différents dialectes. Bon, dialecte, ce n'est pas la même chose qu'une langue. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus avec Willadé. Par exemple, il y a Miseko. Mais il y a aussi toutes sortes de dialectes. Et ça peut changer entre familles, entre voisinages. Merci. J'ai assez parlé. Y a-t-il des questions? Merci, M. le Président. L'une des choses que l'on a entendues lorsqu'on visitait les communautés, c'était la nécessité que les enfants puissent apprendre leur langue convenablement. Ensuite, nous avons entendu des offres actives. Donc, je me demande, pouvez-vous nous dire quelle est, selon vous, la responsabilité du gouvernement quant à la revitalisation et d'offrir des services d'immersion au sein des communautés, au sein de la société, et quelles devraient être les règles? Inaudible pour l'interprète. Teaching languages in all levels, which I know seems impossible, but if you have dedicated people, vous avez par exemple des gens éduqués that would love to do the work, qui aimeraient bien faire ce travail. The photos, illustrations, anything. It can be done. It's possible. Et le tout peut être fait. Je crois que c'est possible. I don't know. I just love languages. J'adore les langues. Mais c'est un beau grand défi. C'est comme une vitamine.
names. Vous savez, tout a un nom. So it is exciting. Oui, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. And it's also very classic. Et c'est très fascinant. If I said something like you're skating, I can use that in slang. That man's a sliding, like forever. It's just slang kids. That's all it is. So as far as teaching in languages, quant à l'enseignement, je crois que il y a plusieurs niveaux qui pourraient être offerts à l'école. Je crois que c'est possible. C'est possible. You just need to have like-minded people to work together. Like in science, math. Et on pourrait enseigner tous les sujets, la science, les mathématiques. One of the interesting ones that I find is spirituality. Un que je trouve intéressant, ce serait la spiritualité. I just find it interesting. Along with that song. Thank you. Any further questions, comments for Mary Rhodes from committee? Y a-t-il d'autres questions? Je n'entends pas. Thank you very much. Donc, je vous remercie beaucoup. I don't believe we have anyone else scheduled to present. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire une présentation, non? Donc, sur ce, je vous remercie. J'aimerais remercier tous les présentateurs et remercie aussi tous les intervenants ici en ligne.